Volonté na bino. Ya koyoka appel ya commandant suprême. Ya kokuta na musala na biso ya kitoko. Musala moko kitoko. Soki oza na discipline. Yeloyo to bandi ko évacuer bino. Pour que nous ayons un centre, pour que nous ayons un école. Tant que nous avons une armée, nous avons des sous-sous pour nous détruire. 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 Batembo. Batembo, té. Puis son armée, ma campagne est à la carte. Et au cani, oui. L'armée, tout est à ta unité. L'armée, tout à la cana, esprit moko. Y'a qu'aucun de la école, y'a qu'aucun de la mokate. N'engi bozo kende kuna. Les alités que aux huit formations. O kanisa ozonga esika yo lingi non makotinda bino esika yiso leloko to boyi okende na makamba munoka mboka kuna na to souhaite bino nyoso bonne chance courage ezali musala ya mubali tuna bi mubali eliko bateke mwa siteme makasi c'est clair. Ça, la bino entraînement, vous voyez que la dengue a bêta mandouki, dengue a battu la école, a ou a mini na bino, basalagi ko bêta, même pas civil. Tant que coach on l'a dit, la moi, vous en a droit à mon côté à la samondouki no pas civil. C'est au cani? Oui! Il va même te, ce que il y a beaucoup de fois. Ce que moi, il va te dire, noki, mais il Zala discipliné, yoka ba continue ba kolobela yo. Ko bangelo ko mokote. Lobi na loba kiawa. Arme mosu se komi sikoyo. Oyo eza plus fatal. Zali armo ba bengi réseaux sociaux. Bolanda kaba réseaux sociaux te. Les autres sont sur la côte, ils sont sur la côte. 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 Ils sont sur la
Nord-Kivu. Baza vraiment discipliné. Avantage Nabino, vous avez déjà le kit à Massassi. Parce que tant que vous avez le kit à Massassi, vous avez déjà le kit à Massassi. Ça, c'est votre avantage. Mais le petit Kali, esprit d'équipe, donc à partir de maintenant, vous avez un esprit d'équipe. Vous avez un esprit d'équipe. Vous avez un esprit d'équipe. Vous avez individuellement. Vous avez toujours un groupe commandé. Parce que Awa, on pouvait tolérer au Kenanda. Mais à partir du moment où on m'a dit dans l'avion, pour commis tout ça, ça n'attendait pas que je n'ai CI. Keba ko tambola yo moko. Keba bako sa te toke sika mo otone me la masan. Keba eloko ko kwa isa yo. Parce que kuna bako éliminer bato mosusu. O bako zala yaoul. Donc encore une fois, je crois que na yaki sa ki Gizo, commandant na bino azo ko encadrer bino. Boko la kisa même ko za mi bali. Boko longwa awa ti aéroport. Na makolo na mwa loyembo kwa baebi ya bali na yebo batwa bien ah ko baeba ke wi voici koma lenge na bango bango wana bakei et puis bao nyoso baza esika mususu baza le sengo ya kolanda bino sima tokani bonne chance et courage pour Kuona kisi wa ndugu Felix Chekezi senexena za tu fare kritema si wa jene. Tunona tunazurumia sana na maimpaka etu wa wanapena kutunyanganya wa salame dote zoke ne mosala ya soda. Tuzo tolingie ukono na biso. Bali ya biso mboga na biso te. Nde wana ndeko nanga peza. Tuzo kota na mosala ba jene seo nyoso. Tuzo la melongo na biso. Ok, donc direction la yoza gipweni. Kwenye final la yoza yena Kishasa. Wewe, nono. Bazo kende transit na bango. Kosala ngo na Kinshasa na Kinshasa wana bazoke de kosala d'abord ba test médico na bango nyoso sur place na Kinshasa c'est pas to ye ba recrutement est-ce que li awa parce que ou bien tozo négatif tozo continuer za convoi ka liboso convoi liboso ngoyo to tikali na convoi au moins 10 oza na sima na biso baoyo ba oti watu baoyo baza bana na Nord Kivu oza kaka jeunesse ya ville ya Goma donc oyo bomoni oyo qu'on voit Liboso ça seulement jeunesse il y a ville de Goma. Donc tu connais pas un chiffre de bambou non le français soit ça. Ngala. Vas-y. OK, combo na nani? Combo na Tambwe Béa Patrick. Ça a fonctionné. Nazali de promotion. Ya bisabiso na na molai motivation na yo, morale na yo pour na to. Ngai morale nanga na e pamba te na armée na e ko sale la école nangai armée bazana souci ya ba jeune to sale la libanda ya mboka na biso pona banguna bazonyo ko la biso makasi libanda ya mboka na biso de ba jeune bele to si volonté de bito ya to sale la armée ya mboka na biso waza kaka na na joie nini pona ko ko kende ki kine deja ezali volonté na sale la mboka nangai. Comment est-ce que vous avez fait une formation? Ça, à part tout, on a tout à fait une destination de Kinshasa, face au commandant de l'État et Péke, à San Atuita chez Koulé. Vous avez fait une formation? Allô. Jambo kaka. Jambo sana mzee. Na furahi leo kwa nini? Na furahi sana kuingia kazi ya jeshi mzee. Na furahi sana kabisa. Sio ni kazi napenda mimi nitumikie inji. Kwa sababu tunateseka sio na inji. Ba voazia watu penzi. Ndio tunashitu kiungana kwa umoja, shiba jene ya Kongo.
tatia mkono na Mungu atasaidia tutapata sheuri nje yetu. Na kwako wewe kuna naenda jeshi haogopi wao wanaambia nini watu wengine? Mimi naambia wenzangu na mimi watuunge mkono, tuungane sisi sote kwa pamoja. Tukiungana hakuna kitu kitashindikana kama Mungu anatia mkono. Na nasipenda na share na mimi kesho nikirudia nisikie wenzangu na mimi walienda. Tafurahi kabisa. Pia tunaona leo nafurahi. Kwa nini? Bongana sepeli makasi po na voyage na biso, ba pesi biso po to sale lamboka na biso. Vraiment za la espoir ya mingi to chaki depuis on kolona bandaki parade recrutement na ngana zo ki le 15 ya premier mois. Tile lo vraiment na na esengo makasi danji po na ko sale la coupe po na ko kende centre ko sale lamboka na ngai e kolo na ngai. Na moni bitumbe za linde bongo na bimi epai na ngai pona koma kuna na mona ata ngai ata mama na ngande monguna ata papa na ngai na kubeta ye na ana posibilita kubeta ye lisasi nde bongo kombo na yona kombo na nga destin mushagalusa mukaba destin. Bonne chance. Nalamu. Na koloba na mono kwa Kiswahili po ona batu bayoka. Tuambie kwa nini unafurahi leo? Leo nafurahi sana kwa kuona rais wetu anapiganisha sana kusudi atie force, aongeze force. Na sisi wa jeune tumejitahidi et vraiment tunajisikia tunafurahi sana. Na wewe una ujumbe gani kwa wengine wa vijana? Mie ujumbe ine zipatia wenzetu wa vijana, wa vijana. Wakuye na sisi tusaidiane kujua ya nchi yetu wasituzoe. Watu wajirani wako na pia watu menanse ovyo ovyo. Watu make watu kule kinguvu. Ndio maana mimi naweza ambia wenzetu wa vijana wakuye tusaidiane kwa nchi yetu juu. Mimi naangalia tusiitike madharau. Juu mwanaume yake mwanaume akizarau mwenzake anamfanyia bibi yake. Sawa jina? Jina ni Baraka Shamavu Ismaili. Okay. Dekoponi, tuambie jina lako nani? Jina langu ni Baraka Biando Serafin. Unafurahi leo? Nafurahi sana kwa sababu tuliitika apele ya President wa Republique kuanzia mwezi wa kwanza. Tunakuwa ku région chie. Hapa mwezi ya hii mwezi President wa Republique peke anaingia ku media tena anaita ba jeune. Tunafurahi kizi bana tu tosha leo ku région. Tunafurahi sana. Na unafurahi kuenda wapi na unachunga kitu gani? Kitu changu kilikuwa na nyuma sana. Mimi niko mzaliwa Sud Kivu. Tulifuatiliwa sana na wajambazi wanatafuta kupora udongo yetu. Mimi kwetu ni Bukavu, Kavumo, territoire ya Kabare. Walipora mali kwetu, wametupiga sana. Nasikia hasira sana kugomanya udongo wangu. Na unaweza ambia wewe uogope kwenda ndani ya jeshi? Mimi siogope kwa sababu ni kazi sa vile ingine, tunagomanya nchi yetu. Na udongo wetu, territoire yetu, basi tukamate hata toni moja ya udongo. Siwezi okopa na ita wavijana wenzetu. Wamaliza soma, wanyawaliza soma, wakuja tugomanye nchi yetu. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça ce n'est pas ce qui se passe, mais c'est cette jeunesse-là que tu vois, cet encouement-là, c'est pour les jeunes gens qui ont répondu massivement à l'appel du chef de l'État pour soutenir les FARDC. Concernant cette agression ici du Rwanda et du M23, ils sont venus pour défendre leur pays. Au total, ils sont combien? Au total, déjà, nous sommes là depuis ce matin, nous sommes à 808 recrues, jeunes et filles. Mais les filles sont au nombre de 47. Et le recrutement a commencé quand? Le recrutement, nous avons toujours recruté chaque jour. Mais ça, c'est un recrutement spécial. Ils ont seulement attendu l'appel du chef de l'État et ils sont venus. Et nous sommes là pour les recevoir. Nous, en tant que les responsables du recrutement au sein de la 34e région militaire, à d'autres termes, de la province du Nord Kivu. Et vous, comme le chargé de recrutement au sein des forces armées de la RDC, le fait que vous voyez le jeune répondre massivement comme ça à l'appel du chef de l'État? Je suis extrêmement content. D'abord, madame, je voudrais t'informer que moi, je suis natif du Nord Kivu. Mais toute ma formation, la profession, c'était à l'ouest de la République.
J'œuvrais seulement à l'état-major général et à l'école supérieure militaire où j'ai donné cours. Alors je savais qu'à l'Est, l'armée, la fonction militaire était presque haïe. Ces sortes de voyous qui allaient dans l'armée, qui embrassaient la carrière militaire. Mais exceptionnellement maintenant, là, les jeunes ont compris que non. L'armée, c'est une profession comme toutes les autres. Et du fait qu'on est agressé, ils disent « niet, nous serons des militaires ». Est-ce qu'avec cette mobilisation, on peut dire que les dangers sont imminents ? Mais monsieur le journaliste, toi et moi, nous savons que le danger est imminent. Nous savons que l'ennemi est à notre porte ici, ils ne sont pas très loin d'ici. Ce sont nos jeunes militaires qui sont en train de fixer ces ennemis, même maintenant là. Ils sont chez nous. Vous êtes informés qu'ils sont chez nous. Ils ne sont plus au Rwanda. Et ils sont à quelques kilomètres de la ville de Goma. Et quel est le message que vous avez envers des autres jeunes qui peuvent suivre votre message, peut-être suivre le pas des autres? J'ai dit ceci. D'abord, j'ai dit merci aux parents qui ont bien voulu accompagner leurs enfants pour embrasser cette carrière. Mais j'ai dit aussi infiniment merci à cette jeunesse qui a compris que notre pays est en danger. Vraiment, qu'ils viennent. Le chef de l'État a dit ceci. Mes autorités m'ont instruit qu'il n'y a pas de quota. Parce que bien avant, c'est chaque qu'il y a l'équilibre régional, provincial, on recrutait suivant et la densité, la population de chaque province. On tenait compte de cela. Mais maintenant, là, c'est une mobilisation générale. Il n'y a pas de quota fixé. Tout le monde, tous les jeunes qui se sentiront concernés, ils sont les bienvenus. Nous allons les approcher et nous allons les évacuer vers le centre d'instruction. Les noms et fonctions, s'il vous plaît. Moi, c'est le colonel diplômé d'état-major Ndakala Faustin. Vous êtes chargé ? Je suis le chargé du recrutement et de la préparation de nos militaires, de nos vaillants militaires à la retraite. Bonjour, Djambo. Shota niangalia. Bon, jambo kaka. Jambo sana. Tuambie leo kupambi barekiba na tale jeune de FARDC. Nini na kumotive, nini tueleze lipitika na nini hapa leo? Leo si kwa maana leo tukua kwenye parade. Leo ilipitika juu tulikuwa kwa parade, tukia chunga safari yetu ya kwenda. Inaonekana leo iko saa atuende akose. Tunatambia tuchunge siku ya kwanza nyema tutaweza kufaa teste. Nali tunachunga mkubwa angala napumzika kwanza kidogo afike hapa ndio tupate kisi ya kurudia kama voyage iko atatuambia. Tueleze nini natuma na wewe uende mu armée sa wengine. Hiyo inatuma mimi niende mu armée sa wengine. Ubandi napita sana mu Kongo yetu. Mi naenda kuarme ku volonté yangu juu nigombanie Kongo yetu. Kongo yetu banacheza nao sana. Hata mugini kidogo sana inapenda zoe Kongo yetu juu ya nini? Umoja yetu hauna. Tunaomba umoja sana.
tungane mkono tupigane Kongo yetu. Na mimi volontaire ngi nanjo inani tu manende ukazi ya soda ni hudie tupigane Kongo yetu tena kama tutaisa ikala na amani. Est-ce qu'on a ce monde de Mohamed Jules qui est chef de l'État qui t'a gêné au Tchad, on va défendre une chez toi les. Mina ngi ya ku armé du tu evori wishi wote wa Kongoman. Chef d'État n'est pas ici, ni voté, ni la gestion, ni de tout ça, il y a ici voté.